Alors, ça fait très bizarre hein, de s'adresser à des gens masqués en étant masqué soi-même, mais c'est le quotidien des enseignants, donc on partage. On vous remercie très sincèrement d'être présent ce soir. On remercie aussi toute l'équipe qui a participé à la production de ces ressources qu'on va vous présenter ce soir. Et cette équipe, elle est convergente entre différents partenaires. Le CEA, d'une part, qui est représenté ici au fond de la salle par Céline Ipari et Julien Arlot et par Roland Lehoucq devant vous. Canopée, qui est représentée par les lieux qui nous accueillent aussi agréablement ce soir, et puis par Maude Barbarin, notre chef de projet sur ce dossier. Par moi-même aussi, par Marie-Hélène Duteil, qui est impliquée sur la plateforme Étincelle. Et puis les auteurs des ressources qui vont vous être présentés ce soir. Et donc je vais laisser le suspense planer, bien que leur nom soit écrit juste derrière moi. Comment je fais ? Ah oui, il faut que je me rappelle comment ça fonctionne. Donc je fais ceci. Je fais ceci et je passe à la diapo suivante. Mais je vois plus que... C'est juste un petit temps d'adaptation. Voilà. Donc ce que l'on va vous présenter ce soir, c'est à la fois le jeu Le Prisonnier Quantique qui a été développé par le CEA, qui est un jeu gratuit en ligne, et l'utilisation de ce jeu à des fins pédagogiques sur la plateforme Étincelle, qu'au passage on vous présentera aussi, donc une plateforme au sein d'un projet école numérique et industrie que je vais vous présenter rapidement. Et donc pour vous présenter Le Prisonnier Quantique, je vais laisser la parole à Roland Lehoucq. Ouais, alors, protocole exige, hop, tchac, 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 voilà. Tout va bien. C'est un peu curieux de faire ça devant tout le monde, mais... Alors, donc effectivement, je suis Roland Lehoucq, je suis astrophysicien au CEA. Je suis assez impliqué dans la diffusion des connaissances scientifiques, on va dire, comme ça, et l'enseignement plutôt universitaire. Et j'ai participé comme référent scientifique au Prisonnier Quantique, parmi bien d'autres scientifiques. Je vais vous présenter tout ça en une dizaine de minutes. D'abord, il y a quelques mots sur cette planche sur le CEA, qui est un organisme de recherche, qui est un grand organisme de recherche fondamental et puis technique, on va dire, et qui a aussi pour mission de diffuser la culture scientifique. Ça fait partie explicitement des missions du CEA. Et il y a un certain nombre de ces chercheurs, de ces chercheuses, qui participent à cette mission à divers titres, soit plus ponctuellement quand c'est la fête de la science, par exemple, mais aussi à des événements plus larges quand ils ont des interventions en conférence, quand ils ont des ateliers avec un certain nombre d'associations, par exemple la Fondation La Main à la Pâte, que vous connaissez bien, par exemple Canopée, par exemple TDC, dans le texte qu'on pour la classe, où moi et d'autres, on a pu écrire des textes, etc. Donc on a une interaction assez large avec le monde enseignant. Et puis, il y a quelques années, en fait, quelques années, ça veut dire un an, même si ça paraît moins l'infini avec les événements récents, il a été décidé d'utiliser un autre support pour parler de science, des sciences qui se font au CEA, bien sûr, mais des sciences en général, c'est de faire ce jeu vidéo, Serious Game, on va voir un peu ce que ça veut dire en pratique dans ce jeu-là, qui s'appelle Le Prisonnier Quantique. Et donc, c'est vraiment un jeu qui va... nécessité d'utiliser science et technologie pour résoudre les énigmes. Alors, savoir ce jeu-là, il a été fait entièrement en interne. Hein, c'est vraiment un projet interne. Donc, c'est un jeu qui c'est pas les budgets des studios de jeux vidéo habituels, genre Assassin's Creed ou je ne sais quoi. Donc, d'accord. On ne survend pas la chose, hein, on est d'accord. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un jeu sans intérêt. C'est un jeu extrêmement intéressant, qui a une méthode de jeu qui est point and click. Si ça vous dit quelque chose, les plus anciens et les plus anciennes ont peut-être joué à des jeux vidéo, ont vu leurs enfants jouer à des jeux vidéo de ce type-là, dit point and click. Ça fait un peu de rétro gaming, c'est pas sans intérêt de ce point de vue-là. Les enfants aiment bien aussi. Mais surtout, son intérêt, c'est les aspects... Ce sont les aspects multiplateformes. Enfin, pour la partie technique, Julien qui a... programmer le jeu, qui a fait le jeu, qui a réalisé le jeu techniquement, eh bien, il a prévu que ça puisse fonctionner de toutes les façons possibles et pratiques, de sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir une sophistication extrême, il n'y a pas besoin d'avoir une PS4 pour jouer à ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien. C'est un jeu qui est assez court à jouer, enfin relativement court à jouer, une douzaine d'heures quand on le joue tranquillement, quand on se fait aider un peu par des indices. Hein, si on cherche vraiment à tout voir, ça peut être un peu plus long, à tout faire, à tout détailler soi-même, ça peut être un peu plus long. C'est un jeu qui dure une douzaine d'heures, ça reste un jeu
pas très long, comparativement, encore une fois, à des jeux de studio qui peuvent durer des dizaines, des centaines d'heures. Et ce jeu-là, il est là pour alors parler de science. Les énigmes, c'est un jeu où il faudra progresser en résolvant des énigmes. C'est en ce sens qu'il est des énigmes scientifiques, c'est en ce sens qu'il est, disons, serious. C'est-à-dire qu'il y a quand même des questions d'ordre scientifique ou technique qu'il faudra résoudre. Simplement, on peut jouer en mode plus game, où on va pouvoir jouer en étant aidé, justement, en recherchant plutôt le plaisir du jeu, de la découverte, de l'ambiance et de ce qui s'y passe. Et si on veut jouer en mode serious, là, vraiment, on peut et avoir toutes les indices, toutes les vidéos, tous les compléments scientifiques qui sont dans le jeu et les compléments pédagogiques qui ont été élaborés. Donc là, on peut le jouer en mode jeu, mais comme les petits jeux, les mini-énigmes, ou les, pas les mini, mais les énigmes sont des manières de mini-jeux, ils peuvent être des situations, c'est ça l'intérêt, des situations déclenchantes sur un problème qu'on peut extraire finalement du jeu, mais aussi garder dans la trame du jeu et pour progresser vers la résolution de l'énigme. Donc on le retrouverait, ça vous a expliqué où est-ce qu'on peut retrouver le jeu, comment on peut s'en servir, etc. Et il y a aussi l'idée, c'est peut-être pour ça que j'avais été sélectionné, mais on va le voir un peu mieux, je pense, après dans le pitch du jeu, bon, qui est un peu long, mais enfin essentiellement, c'est un truc qui est faux, le pitch du jeu, excusez-moi, c'est quelque chose qui est faux, c'est-à-dire on peut bricoler la constante de Planck et réduire la taille des atomes, et hop là, on peut, un humain, se balader au sein des atomes, c'est scientifiquement faux, il n'y a pas de doute. Simplement, c'est pas complètement idiot, c'est comprendre... Alors évidemment, pour des élèves en collège, c'est pas la même chose que pour des lycéens, et éventuellement pour au-dessus, cette constante de Planck, c'est quoi? En quoi est-ce qu'elle régit la taille des atomes? Où est-ce qu'elle intervient, etc. Néanmoins, c'est quelque chose qui permet de se poser des questions, parce que c'est vraiment possible, parce qu'il y a des films, par exemple, comme Ant-Man, vous avez peut-être vu le film Ant-Man, ou entendu parler du film Ant-Man, où c'est très exactement l'argument qui est donné, enfin le scientifique qui rétrécit le héros dit « Ah ouais, ben, les atomes, il paraît que c'est plein de vide. Moi, j'ai trouvé un moyen de compacter ce vide. » Et ploup, les atomes deviennent plus petits et la vie est belle. Quoi. Et on fait des tas de trucs super tout petits. Donc Ant-Man, il est à la taille d'une fourmi, pas à la taille d'un atome, quoique après, il arrive des choses. Donc ça, c'est cette idée-là. Et puis, il y a des développements dont je t'ai le pitch pour que vous puissiez le découvrir si vous l'avez déjà fait. Donc il y a une manière de science dedans. Il y a des bouts de science dedans. C'est de la science-fiction, c'est-à-dire c'est quelque part quelque chose qui est faux, mais qui permet de se poser des questions sur le monde qu'on nous présente. Et ensuite, nous, on n'est pas de la magie non plus. Donc on révèle le truc. On dit bah, tout ça, ça et ça et ça et ça, dans le pitch, c'est faux. Et ça permet d'expliquer aussi, d'analyser, c'est un de mes grands dadas, d'utiliser les mondes imaginaires pour parler de science, comme prétexte pour parler de science, sachant qu'évidemment, toutes les petites énigmes qui sont dedans sont des énigmes scientifiques, avec une solution scientifique, un raisonnement qu'on peut élaborer, et qu'on est autorisé, par ailleurs, à élaborer par essai-erreur. C'est ça aussi un des intérêts, on peut essayer autant qu'on veut. C'est une façon d'apprendre. On peut aussi dire « Ah ben, je connais mon cours, si j'ose dire, je connais la façon dont il faut raisonner, je raisonne, hop, et poum, j'ai la réponse tout de suite. » Puis on peut aussi le faire par essai-erreur et progresser en marchant, finalement. Donc l'idée d'utiliser la science-fiction, c'était pour faire un jeu. On a dit serious game, mais le problème des serious games, c'est que des fois ils sont un peu trop serious et les gamins voient bien que c'est pas un game, quoi. Et donc ce qu'on veut, que ce soit un game. Donc ce jeu, c'est d'abord un game. Donc on peut le faire comme un jeu. C'est comme les jeux pédagogiques, quoi. Je veux pas avoir l'air de critiquer les jeux pédagogiques, mais des fois ils sont un peu trop pédagogiques et c'est plus des jeux. Donc on voulait faire un jeu. Et dedans, il y a des éléments de science, ce qui fait que plein d'éléments de science qui sont là pour supporter l'intrigue et nourrir l'intrigue. Et on a tout un tas de petits éléments de science qu'on aurait pu mettre, qu'on a écartés, parce qu'ils ne tombaient pas dans le fil de l'intrigue pour faire une intrigue qui fasse jeu. Et ces éléments scientifiques, évidemment, ils ont été proposés, conçus et discutés avec des scientifiques propres du domaine qui ont conçu les petites énigmes et qui ont testé les choses, qui ont vérifié que les choses fonctionnaient bien et que ça faisait sens pour un scientifique. Donc de ce point de vue-là, la science... des énigmes est tout à fait correct, c'est la science d'ensemble qui n'est pas correct, enfin, un monde de fiction, mais qu'on explique à la fin si on veut se rendre compte à quels endroits ça n'est pas correct. Il s'agissait de faire une ambiance qui soit attrayante, évidemment. Les mondes de fiction sont parfois plus chatoyants, enfin, incontestablement, que le réel, qui est des fois un peu plombant, pensant au réel, réel. Et donc, voilà, ça résume un peu ce que je viens de dire là. C'est cet essai et erreur, ça permet de... Ben, d'essayer de tirer parti de son expérience. Enfin, ce n'est pas des enseignants que je vais apprendre leur métier, évidemment, mais de favoriser cette démarche expérimentale, de tester des choses, de se poser des questions, de faire une hypothèse sur « Ah oui, peut-être si je fais ça, ça va se passer ça », de vérifier « Ben non, il ne s'est pas passé ça, donc qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça va être toute l'habileté des enseignants qui ont travaillé sur ce jeu pour en faire quelque chose qui est au-delà du jeu,
un élément pédagogique de la pratique, enseignante, une situation déclenchante, quelque chose qui ajoute encore un volet au jeu. Et c'est bien ça qui est intéressant dans le monde, c'est pas regarder les objets juste par le dessus, mais aussi par le côté, par le dessous, enfin dans tous les sens, et que ce jeu soit un jeu serious, un élément pédagogique, une situation déclenchante, et qu'on a envie d'y revenir, et qu'on puisse l'utiliser dans une multitude de situations. Voilà donc ce que j'avais à dire, ce que j'ai à dire. J'espère que CEA au fond ne fait pas les gros yeux en disant ah, il a oublié de dire je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà, c'est une expérience, je pense, extrêmement intéressante du point de vue des chercheurs. Hein. Les chercheurs, pour ça, ça a été l'interaction avec eux et avec les. Et avec le game designer, enfin avec Julien qui a créé le jeu, eh bien c'était assez intéressant parce qu'il a fallu créer des effets. Qui dans des jeux n'étaient jamais vus, non pas que ces effets soient particulièrement spectaculaires, mais des questionnements et des situations, des mises en scène qui n'étaient pas présentes dans les jeux habituels, qu'ils soient serious ou pas d'ailleurs. Et là, c'était quelque chose de particulièrement intéressant, sur des thématiques aussi qui n'étaient pas toujours présentes. Il y a eu des jeux d'énigmes, on pense à Professeur Layton, enfin je ne sais pas si vous avez joué à la Game Boy, c'est pas Game Boy, c'était la suite de la Game Boy, à Professeur Layton ou d'autres jeux, voilà. Sauf qu'il y a des énigmes qui sont typiquement des énigmes plutôt de logique, qui sont tout à fait intéressantes. Là, c'est plutôt des énigmes de physique, de chimie, de technologie, donc des énigmes plus directement scientifiques. Voilà, je vous redonne la parole. Merci. Et puis, après, pour découvrir, pour découvrir ensuite ce que nos enseignants en ont fait, ce que vos enseignants en ont fait, pour le rendre vraiment utilisable. Merci. Je précise tout de suite qu'à la fin de la présentation, d'ici trois quarts d'heure à peu près, il y a un temps de prévu où vous pourrez échanger avec chacun et notamment profiter de la présence de Roland Lehoux pour discuter peut-être d'astrophysique si vous le souhaitez, parce que là c'était un petit peu court la parole qu'on vous a laissée. Ça me va très bien, il ne faut pas... Place à la science. Alors je vais présenter... rapidement, la plateforme Étincelle, qui est la plateforme qui est née du projet École numérique et industrie, projet qui rassemble des objectifs pédagogiques avec des objectifs de se faire connaître pour le monde industriel. La naissance de ce projet part d'un constat de divergence en fait, entre ces deux mondes, le monde de l'industrie et le monde de l'enseignement, de l'éducation. Un besoin de faire connaître la réalité de l'industrie au sein de l'éducation nationale, notamment dans le cadre de l'orientation des élèves, mais aussi de construire des séquences pédagogiques, des ressources qui soient authentiques par rapport à ce qu'est l'industrie aujourd'hui, et non plus enseignées avec des images de l'industrie que l'on véhicule depuis de longues années, alors que l'industrie a beaucoup, beaucoup évolué. Un petit Larsen qui sera expliqué plus tard à la fin de la présentation. Donc la plateforme, c'est, comme son nom l'indique, une plateforme qui permet d'avoir accès à des ressources qui sont créées en partenariat entre Réseau Canopée, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et des industriels, notamment dans ces industriels qui sont partenaires depuis longtemps. Eh bien, le CEA a fait partie des premiers partenariats qui ont été mis en œuvre. La plateforme s'adresse à tous les enseignants, du collège jusqu'au post-bac. On a des ressources et des scénarios pédagogiques à destination des BTS notamment, mais aussi du cycle, on est même au cycle 3 avec les 6e. Excusez-moi, mon masque se fait un petit peu la malle, il tient pas très bien. Voilà. Bon. Toutes les disciplines sont concernées, même si on part de la réalité de l'industrie, il s'agit de pouvoir travailler... Et maintenant, je ne vois plus rien. C'est un sketch. C'est un vrai sketch. Bien. Il s'agit de pouvoir travailler dans toutes les disciplines, donc y compris les disciplines humanistes, en partant de situations réelles vécues dans l'industrie. Donc l'objectif, c'est de créer des ressources qui soient soit des ressources authentiques issues du monde industriel. Ça peut être des cahiers des charges, par exemple. Ça peut être des affichettes présentes dans les établissements pour la sécurité des employés, des ressources vraiment authentiques, issues directement du monde industriel, ou des ressources co-créées avec les industriels. Et c'est le cas notamment de certaines ressources qui ont été faites sur les sciences et qui sont en cours de réalisation aujourd'hui dans le monde scientifique, dans le domaine scientifique. Donc ça, je passe vite. L'idée, c'est vraiment de proposer des situations
que ce soit des situations déclenchantes ou des situations au sein d'un scénario pédagogique, qui correspondent à un contexte industriel, qui permettent de donner du sens aux apprentissages à partir d'une réalité du monde d'aujourd'hui. Et puis, il y a cet aspect orientation aussi que j'évoquais tout à l'heure, donner une image réelle de l'industrie d'aujourd'hui pour permettre une orientation positive et éviter les choix vers le monde industriel, vers le monde professionnel, souvent, par défaut. Alors, cette plateforme nécessite une inscription, qui est évidemment totalement gratuite. Elle est accessible en ligne sur l'adresse que vous voyez ici. Quelques chiffres clés, donc de nombreux champs disciplinaires qui chacun regroupe plusieurs disciplines. On va voir ça ensemble assez rapidement. À ce jour, il y a 70 séquences pédagogiques, une séquence pouvant regrouper plusieurs séances, 400 ressources, je crois même qu'on est au-delà à ce jour, et une vingtaine de partenaires industriels avec lesquels ces ressources ont été co-construites. Et on a un certain nombre de fonctionnalités que nous allons explorer ensemble. Donc voilà, je me suis connectée sur la plateforme. Voilà la page d'accueil. Je vais essayer de ne pas casser le matériel. Donc les partenaires, pour chacun, sont présentés avec un petit texte expliquant les objectifs de leur participation à ce projet. Vous retrouvez ici les champs disciplinaires. Si par exemple je regarde le champ des sciences expérimentales et des mathématiques, je vais retrouver un certain nombre de ressources qui sont classées en ressources, séances et séquences. Une séance, c'est un objet d'enseignement, un scénario pédagogique que l'on va mener dans un temps défini, mais qui peut aller de l'heure à trois heures, ça dépend un petit peu dans quel domaine on se situe. Et une séquence, c'est un ensemble de séances. Ces scénarios pédagogiques prennent tous appui sur des ressources. Ah. Non. Voilà. Donc je peux filtrer, bien sûr, ma recherche de ressources en sélectionnant ressources et en séquences. Je peux aussi sélectionner le cycle auquel je souhaite m'adresser. De quoi voulais-je parler ? Je vais reprendre mes petites notes. Je ne veux pas vous en dire trop parce que je pense qu'il est plus intéressant de passer du temps sur la présentation des séquences, des séances créées par les auteurs autour du jeu du prisonnier quantique. Mais je veux vous donner quand même quelques pistes pour que, si vous ne connaissez pas la plateforme Étincelle, vous soyez en mesure, à la fin de la séance, de l'utiliser. Oui, je peux. Voilà, c'est exactement ça. Alors, on va prendre. Une ressource, par exemple, qui a été créée par le CEA, d'ailleurs. Chaque ressource est, dans la mesure du possible, disponible en téléchargement. Donc, elle peut être mise à disposition des élèves directement sur un ENT, par exemple. Ou elle peut être utilisée au sein de la plateforme, simplement en l'ajoutant aux favoris ou en l'incluant dans une séquence pédagogique, une séance pédagogique, si on veut la mettre dans dans un nouveau scénario. Ah, je dois revenir. Une des ressources qui vient d'être ajoutée aussi, qui est une des vidéos du jeu Le Prisonnier Quantique. Alors, je fais une recherche, par exemple, ici, j'ai fait une recherche dans le champ des sciences expérimentales et des mathématiques. J'ai un certain nombre de ressources. Je voudrais plutôt une séance. Je peux bien sûr faire une recherche par mots-clés. Et par exemple, je choisis une séance en sciences de la vie et de la Terre et je souhaite la modifier pour la présenter à mes élèves. J'ai toutes les possibilités de modifier chacun des champs
excusez-moi, pas une navigation très, très efficace. Je peux modifier chacun des champs de la séance, le rôle de l'enseignant, l'activité de l'élève, l'astuce pour l'élève, de manière à présenter à l'élève exactement ce que je souhaite qu'il fasse dans le cadre de ma progression, celle que j'ai choisie. Je vais revenir en arrière ici. Excusez-moi, c'est pas très fluide ma présentation. Ça, je vais le laisser. Chaque séance est présentée avec des repères pédagogiques qui permettent de vérifier qu'elle correspond à mes attentes en tant qu'enseignant, quelle thématique du programme est traitée, quelles sont les compétences travaillées, quel est le type de démarche qui est proposée, éventuellement démarche d'investigation, étude de cas, etc. Quels sont les objectifs et les modalités pédagogiques. Donc ici, j'ai une séance qui est proposée en classe entière pour 50% du temps et en groupe pour le reste du temps. Si cette séance telle qu'elle est ou telle que je l'ai modifiée me convient, je vais choisir de la diffuser à mes élèves. Je crée une diffusion, c'est-à-dire ce que mes élèves vont voir lorsqu'ils vont accéder. Par exemple, je veux leur présenter la consigne du premier moment de cette séance. Alors, il faut que je puisse me déplacer, voilà. Je valide, je donne un nom à cette diffusion. Et j'obtiens un lien que je vais pouvoir transmettre à mes élèves, soit dans un DNT, soit par mail, n'importe quel moyen. Lorsque l'élève va cliquer sur le lien, il va se trouver sur une fenêtre de ce type où il va devoir rentrer un nom. Il n'y a pas de problème de RGPD puisqu'il rentre un nom qui peut être un prénom ou un code que vous avez défini avec vos élèves. Tu veux bien, Geneviève, mettre n'importe quoi. Ton prénom, si tu veux. Ouais. L'élève lance l'activité. Il démarre, on lui donne une consigne qu'il va réaliser. S'il y avait plusieurs étapes, il pourrait faire les différentes étapes successivement. Moi, en tant qu'enseignante, je voudrais voir ce que mes élèves ont fait et s'ils ont tous progressé dans cette activité. J'ai le moyen d'aller vérifier dans mes diffusions. Donc, mes diffusions. Donc, ce que j'ai donné ici à mes élèves, je vais aller regarder les informations qui sont associées à ce scénario pédagogique. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les statistiques. Et je vois que Geneviève, seule, a fait 100% de ce que je lui ai demandé de faire. Donc, il me reste les 30 autres élèves de la classe que je vais attendre gentiment. Bien. Est-ce que j'oublie? Oui, bien sûr. Oui, parce que dans cette diffusion-là, la seule chose que je demande, elle a seulement mis son prénom et elle a lancé l'activité. Dans cette diffusion-là, la seule chose qu'il y avait, c'était lire la consigne finalement et réaliser. Mais il n'y avait pas d'évaluation. Il n'y a pas de possibilité d'évaluation des résultats de l'élève. On évalue seulement le fait que ce soit fait, qu'il soit passé par les étapes ou pas. Absolument. 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 Ce n'est pas une évaluation, c'est une statistique. Ça évoluera peut-être. Peut-être. Créer une diffusion, et bien voilà. Je pense que je vous ai donné les grandes lignes de ce fonctionnement de la plateforme Étincelle. Je vais donc pouvoir revenir au diaporama. Je vais passer assez rapidement les diapos qui correspondent à ce que je viens de vous montrer en naviguant directement sur Internet, mais qui étaient possiblement présentées sur le diaporama.
avec d'autres exemples. Et voilà. Et nous en venons maintenant au cœur du sujet de notre soirée, c'est-à-dire les scénarios pédagogiques qui ont été créés autour de certains éléments du jeu Le Prisonnier Quantique, donc ce qui a été appelé les puzzles. Ce sont des éléments de jeu qui peuvent vivre indépendamment de l'ensemble de la progression du jeu. Il y a 6 puzzles du jeu du Prisonnier Quantique qui sont disponibles sur la plateforme. Et à partir de ces 6 puzzles, les 3 enseignants qui sont présents ont créé 7 scénarios pédagogiques dont vous voyez les titres ici, qui concernent des niveaux du cycle 4 à la terminale, en sciences de la vie et de la Terre et en physique chimie. Des nouveaux programmes pour ce qui concerne le lycée, bien sûr. Et donc, Geneviève Ponsonnet a rédigé un scénario. Alors, je ne sais plus lequel tu présentes, Geneviève. La pile à combustible, qu'elle va vous présenter maintenant. Je vais lui laisser la parole et puis je te laisserai présenter tes camarades pour la suite. Voilà, donc moi je suis Geneviève Ponsonnet, professeure de physique chimie à Orsay, pas très loin du CEA d'ailleurs. Voilà, et donc j'ai rédigé 3 séquences autour de 3 puzzles différents. Donc je vais vous présenter plus particulièrement réparer la pile à combustible. Donc Maud, tu devais pas... Ah, c'est toi. M'aider un peu à changer, voilà. Donc là, ce sont les 3 séquences qui vont être proposées aujourd'hui. On ne vous présente pas tout. Donc, comment fonctionne la pile à combustible ? Donc, l'héroïne arrive dans une pièce. Il faut qu'elle répare le moteur d'un tracteur qui est défaillant. Et dedans se trouve une pile à combustible qu'il faut réparer. Donc, cette séquence que je propose se déroule en 3 temps. Donc, le premier temps, on va passer tout de suite... Voilà, au détail. Donc, c'est l'observation de la scène. Donc, on laisse les élèves un petit peu découvrir le jeu. Un petit peu comme disait Roland Lehoucq tout à l'heure, on peut tout à fait imaginer qu'ils sont en train de jouer sans penser vraiment à ce qu'il y a derrière comme connaissance scientifique. Pour la petite histoire, mon fils de 10 ans a fait la totalité du jeu 3 fois. Donc, ça peut être aussi fait par des élèves qui n'y connaissent rien, un petit peu en tâtonnant et en jouant. C'est trop... Voilà. Ah, pardon. Et donc là, on va laisser les élèves jouer, découvrir les objets. Donc on peut observer la scène. On a la pile à combustible au centre qui ne fonctionne plus. Et on les laisse un petit peu naviguer dans les boutons. Donc on a des vannes qui s'ouvrent, on voit qu'il y a écrit O2. Donc normalement les élèves en terminale, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est pour des terminales spécialité, savent quand même ce que c'est que O2. Donc ils peuvent regarder l'action des boutons sur ce qui va se passer dans la scène. En dessous du dihydrogène, H2, de l'eau là-bas, et on voit des tuyaux qui sont à disposition. Donc vraiment, là, on les laisse un peu découvrir le jeu, plutôt en amont de la première séance qui sera en présentiel. Et soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas, mais il n'y a pour l'instant aucun vraiment but scientifique là-dedans. Ils voient qu'ils doivent réparer la pile, faire fonctionner le moteur du tracteur pour qu'il puisse démarrer, mais ils tâtonnent. Donc pendant la deuxième séance, qui va se passer plutôt en présence avec les élèves. Là, on leur donne des documents à étudier. Donc, notamment, il y a ici une infographie sur le stockage de l'hydrogène et la formation de dihydrogène par électrolyse, enfin dihydrogène et dioxygène. Donc, ils doivent l'analyser. Et en complément, il y a un document à compléter sur écrire des équations d'oxydoréduction, écrire l'équation de fonctionnement de la pile. Donc là, Delphine, tu peux juste passer parce qu'on le voit après. Donc il y a le document pédagogique sur la diapo juste à... Voilà. Donc ils ont une série de questions auxquelles il faut qu'ils répondent. Et puis il y a un schéma à compléter. Donc ça se fait avec l'aide éventuellement, bien entendu, de l'enseignant. Et ils réinvestissent toutes les connaissances qui sont attendues au niveau de terminale spécialité. Troisième séance, ils reviennent sur le jeu. Donc ça peut être fait soit de retour à la maison, soit en continuité avec ce qu'ils viennent de faire. Et là, connaissant l'équation de fonctionnement de la pile,
Le bilan stoichiométrique, c'est-à-dire les proportions dans lesquelles ils doivent introduire le dihydrogène et le dioxygène pour faire fonctionner la pile, là, ils réussissent en général beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est la réparation de la pile. Et une fois qu'ils font ça et qu'ils réussissent à débloquer le jeu, le tracteur se relance et la suite arrive, quoi. C'est une nouvelle scène. Voilà. Donc après, c'est Jérémy. Ah non, enfin voilà, c'est... Oui, c'est la fin. Tiens, te fais désinfecter. Pas de souci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Jérémy Violette, professeur de physique-chimie au Collège La Nacelle à Corbeil-Essonne, donc plutôt en ZEP. Et donc, moi, j'ai, comme Geneviève, préparé trois séances avec le prisonnier quantique, avec des puzzles. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui celle qui s'intitule « Comment transformer le vin en vinaigre ». Et pour commencer à vous raconter ça... Ah oui, pardon. Il faut que je vous raconte un tout petit peu ma vie, parce que donc on a créé ces séances pendant le confinement, en tout cas en grande partie. Et clairement, sur ce puzzle, j'avais pas forcément d'idée d'accroche. Et je suis parti d'un reportage que j'ai vu sur un journal de télévisé, je ne sais plus lequel, où il manquait, on voyait un œnologue, je crois, ou un viticulteur, qui disait qu'ils avaient du mal, en raison du confinement, à écouler leur stock de vin. Et donc c'est comme ça que j'ai eu le temps d'accroche. Donc je pense qu'on peut passer juste après. Voilà, donc du coup, la situation déclenchante, les élèves vont recevoir non pas donc une vidéo, mais un journal papier qui va présenter donc cette problématique. Et l'idée, donc le viticulteur donc souhaite utiliser donc son stock de vin pour fabriquer du vinaigre et de l'alcool. Et de l'alcool, oui, c'est ça, pour le gel hydroalcoolique. Donc voilà, donc il y a le lien. Alors, j'ai jamais parlé du Covid-19, parce que je voulais pouvoir utiliser quand même la séance un peu plus longuement que le Covid-19, en espérant que le Covid-19 soit plus là. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une accroche assez forte sur le moment d'actualité. Voilà, mais malheureusement, il ne sait pas comment faire, donc il demande l'appui des élèves, qui vont recevoir juste en deux, donc ils vont avoir plusieurs documents. Donc un premier document, donc ça va être une infographie qui leur présente la fabrication du gel hydroalcoolique. Et puis, ils reçoivent une petite note écrite avec l'équation de réaction de la transformation du vin en vinaigre. Mais bah, évidemment, la personne a été maladroite et toute la feuille est tachée de café. Et donc, je remets mes lunettes, mais voilà, je crois qu'on ne voit que le C du carbone pour avoir juste le petit temps d'accroche. Et donc les élèves en fait vont utiliser le puzzle issu du prisonnier quantique comme source de résolution de cette problématique. Donc en fait le puzzle, pour en dire quelques mots, c'est basé sur la balance de Robert Wald. Et l'idée de cette balance, c'est un petit peu de trouver l'ajustement de l'équation chimique de réaction pour passer du vin au vinaigre. Et donc une fois qu'ils vont résoudre ce puzzle, donc ils peuvent évidemment échouer, ils peuvent le tenter autant de fois que ça fonctionne. Là, c'est le côté un peu jeu vraiment. Cela va leur permettre donc de trouver la solution à la problématique de ce viticulteur. Et je leur ai demandé d'écrire voilà une petite lettre qu'ils vont envoyer, entre guillemets, à ce viticulteur pour lui donner la solution pour transformer ce vin en vinaigre. Voilà. Et je crois que je termine par... donc moi, je travaille beaucoup... dans mon collège, on travaille beaucoup sur les sciences cognitives. Donc on est plusieurs collègues à travailler le cours sous forme de fiches de mémorisation, avec des questions et des réponses. Donc la trace écrite du cours, je l'ai proposée sous forme de fiches de mémorisation, qui peut évidemment être adaptée et adaptable pour des enseignants qui feraient une trace écrite plus classique. Voilà, et donc là, c'est globalement la conclusion à retenir concernant donc, toute cette séance pédagogique autour de ce puzzle. Voilà, je crois que c'est la fin de mémoire, à peu près. Ouais.
Ah oui, non, c'était donc j'ai repris, mais du coup, on vous l'a présenté tout à l'heure, en fait, sur Étincelle, on vous montre les modalités, donc les modalités pédagogiques. Donc, sur toute cette séquence, globalement, les élèves sont en groupe sur la résolution du problème et beaucoup en autonomie. L'enseignant, il est surtout là pour le moment d'accroche, pour mener des discussions avec eux, mais les élèves doivent... moi, je suis partisan de laisser au maximum les élèves en autonomie. Donc là, sur cette problématique, voilà, les élèves vont chercher vraiment la solution au problème. Ça peut prendre un temps un peu plus important pour certains groupes, mais c'est pas gênant. Et ensuite, quel est l'intérêt ? Donc moi, c'était surtout le côté fort, d'où mon introduction, sur le moment d'actualité, qui, je pense, peut être un lien déclencheur voilà, pour les élèves. Et je passe du coup la parole à Mélanie, qui va vous présenter une séance d'SVT. Donc, bonjour, donc je suis Mélanie Fenard. C'est bon ? Mélanie Fenard, donc moi je suis professeure de SVT, car il y a quand même un petit peu de SVT dans le prisonnier quantique, dans le même lycée que Geneviève, donc à Orsay. Donc moi j'ai travaillé sur le puzzle, sur l'échelle, et en fait ça parle de l'ADN en réalité. Cette échelle est en fait une représentation de la molécule d'ADN. Et donc l'idée c'était de proposer une séance pour la classe de seconde en SVT, où justement on voit la structure de l'ADN, un petit peu plus précisément qu'au collège. Et d'adosser aussi ce puzzle et cette séquence à des éléments d'histoire des sciences, qu'on fait souvent en SVT, hein, autour de déjà les scientifiques Watson, Crick et Franklin, qui sont fortement associés à la découverte de la structure de l'ADN. Et bien sûr aussi les éléments ludiques et les éléments scientifiques sur cette fameuse molécule d'ADN. Et donc l'idée aussi, c'est que ben, tant qu'à parler d'histoire des sciences, ben, c'était de créer une histoire, de reprendre de l'histoire de Zoé. Donc en fait, en réalité, donc là, elle est, alors je ne sais pas exactement dans le jeu comment elle en arrive à cet endroit-là, mais là l'idée c'est qu'elle vient d'emménager dans une maison. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très... on va dire que voilà, ils n'ont pas encore vraiment emménagé ni fait les travaux. Et à un moment donné, elle découvre en fait une échelle cassée qui est censée l'emmener au grenier. Et il paraît que cette maison a appartenu à un chercheur en génétique. Et donc, elle se retrouve face à cette échelle et donc, elle doit réparer l'échelle. Donc, l'idée, c'est que les élèves incarnent Zoé et bah, ils y vont par essai-erreur. Ils ont un certain nombre de barreaux, des barreaux avec des A, enfin, un barreau avec un A, un autre avec un C, un G, un T. Ils vont faire aussi attention à l'écartement entre les différents barreaux. Et donc, par essai-erreur, ils réussissent à reconstruire l'échelle. Donc, ça, c'est le jeu du CEA. Pardon. Et donc, une fois que cette échelle est réparée, donc en fait, ça vient, ils arrivent au grenier. Et suite à cette première approche de la découverte des nucléotides, de l'ADN et de la manière dont ils s'agencent les uns par rapport aux autres, on va entrer vraiment dans le cœur des découvertes de la classe de seconde. Et l'idée, c'est de poursuivre l'histoire. Et donc, elle va découvrir des fragments d'une lettre. Alors ça, c'est un vrai objet d'histoire des sciences. C'est une vraie lettre rédigée par Francis Crick à son fils. Lui expliquant en anglais, donc forcément c'était un Américain, la structure de la molécule d'ADN. Donc là, bien sûr, on propose la traduction aux élèves, hein, on ne va pas les mettre en difficulté là-dessus, mais on pourrait imaginer un travail pluridisciplinaire, pourquoi pas. Hein. Et donc, des fragments de cette lettre où progressivement se dévoilent des éléments de la structure de l'ADN telle que l'avaient imaginé Watson et Crick à l'époque. Et donc, à partir de ces différents fragments et d'autres éléments issus de travaux de scientifiques comme Erwin Chargaff ou Rosalind Franklin, progressivement, donc se dessine la structure de l'ADN. Donc je ne sais pas si on peut avancer. Oups. Donc avec le premier fragment et notamment aussi le fragment avec le schéma historique qui est présent sur la lettre, ont été ajoutées des ressources sur le rôle notamment de Rosalind Franklin, donc des ressources un peu limites de programme, mais qui vont permettre à l'enseignant éventuellement d'aller un petit peu plus loin sur la place de Rosalind Franklin et notamment aussi sur la cristallographie qui a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une structure en double hélice. Ensuite, une fois que Zoé a découvert ceci, elle va un petit peu plus loin, elle découvre un autre fragment de la lettre, etc. etc. Et là, on va plus aller vers la notion d'appariement des bases, c'est-à-dire que...
hop, si tu peux avancer un petit peu, donc les noms des quatre nucléotides, et un petit jeu que j'ai créé, donc, qui a été inséré dans la plateforme, et qui va permettre par drag and drop, en fait, de compléter la lettre, que, donc, que j'ai effacé un petit peu la lettre, hein, mais donc ça, c'est la vraie lettre sur la droite de Francis Crick, et si vous voyez bien à droite, il y a les lettres, en fait, qui sont là, et donc l'idée, c'est que si... Les élèves ont bien compris, voilà, ils vont pouvoir justement mettre bien face à face A, T, C, G, avec en aide les résultats d'Erwin Chargaff sur la composition en base azotée et des nucléotides. Donc c'est des documents très classiques, hein, qu'on utilise en classe de seconde pour faire comprendre le fait que ben, y a autant de A que de T, autant de G que de C, parce qu'ils sont face à face, etc. Et enfin, donc, dernier point, donc la fin de la lettre, en réalité, hein, hop, lots of love, daddy. Donc l'idée, c'est de comprendre la notion de séquence, que c'est en fait la succession des lettres, en fait une signification, et donc on en arrive à la notion de gène. Et voilà, et on a terminé. Donc c'est censé être une séquence faisable vraiment dans le temps d'une séance. Généralement, en SVT, on a une heure à 1h25, 1h30 avec les élèves. Donc c'est censé donc, passer dans cette heure-là. Et on termine, il me semble, par un quiz. Je ne sais plus si je l'ai mis. Si, voilà. Donc, version soit en version PDF, si on veut le faire par écrit, soit en version cuisinière, en réalité. Et un schéma à compléter, là, en bas à droite, qui va permettre de faire la synthèse de ce qui a été découvert sur la structure de l'ADN. Je vais juste... rebondir sur l'idée de la cuisinière que vient d'évoquer Mélanie. La cuisinière, c'est un autre outil de réseau Canopé qui permet de réaliser des quiz en ligne. Et cette fois, on a une possibilité d'évaluation de ce que font les élèves. Et donc là, dans ces séances et dans d'autres futures séances qui seront présentes sur Étincelle, on pourra intégrer, donc là on l'a fait, l'enseignant peut utiliser la cuisinière. Il faut se créer un compte, mais après on peut récupérer le quiz créé par l'auteur, ici Mélanie, le modifier si l'on souhaite et le diffuser à ses élèves. Donc on peut utiliser ce deuxième outil qui permet l'évaluation de ce que les élèves ont fait. Eh bien voilà, en fait je pensais qu'il y avait une diapo de fin pour vous remercier de votre attention, mais je le fais en direct. Marie-Hélène, tu voulais dire quelque chose ? Je le redis pour l'enregistrement, puisque ce soir on a filmé, donc ne sont enregistrés que les sons du micro. Donc les quiz qui sont présents sur Étincelle sont disponibles déjà à ce jour sur la cuisinière, sur le catalogue accessible par tous. Et oui, une autre chose que j'avais oubliée, très bientôt, la version du prisonnier quantique en anglais sera disponible. Est-ce qu'on a une date déjà ? Le 5 octobre. Bah oui, très 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 bientôt. C'est demain. si vous... Autre chose, oui. Ah oui, on peut tout à fait naviguer sur Étincelle. Alors non, c'était sur Internet Explorer. Alors, on va faire une recherche pour y aller. Je vais aller. Donc, je vais rechercher en mettant par exemple CEA comme mot-clé ou prisonnier quantique. Ouais, alors, c'est-à-dire qu'avec une seule main, prisonnier quantique, c'est plus difficile. Je veux bien, Geneviève ou Jérémy, que vous le fassiez. Oui, mais si on. Ouais, vas-y. Prisonnier quantique. Donc vous trouvez les ressources du jeu, mais aussi, bien sûr, les séances. Donc... Par exemple, celle-ci, qui normalement devrait s'ouvrir. Alors, je vais me... Hop, hop, hop. En principe. Donc la pile à combustible. Comment se présente la séance ? Donc... Ah oui, je ne peux pas me mettre près du tableau, du micro. Donc, les repères pédagogiques. Aïe, 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 aïe. Voilà. Le temps de découverte que vous a présenté Geneviève, qui peut se faire
à distance. Et puis, chacun des moments qui vous a été présenté sera matérialisé par un cadre gris comme ça, avec les différents éléments du moment, c'est-à-dire l'activité de l'élève, la consigne qui va être donnée, éventuellement des astuces pour l'élève, des conseils pour l'enseignant, différents champs qui sont remplis pour chacun des moments de la séance. Alors, j'essaie de ne pas trop m'approcher. Bon, il faut que... Il y a toujours un petit temps de chargement. Ah, purée. Non, ça ne veut pas. Moi, ça marche très bien sur un ordinateur, mais... Bon, mais... Et donc là, effectivement... Je suis en... Voilà, on peut relier les tuyaux. Je m'étais, je vais ouvrir des vannes. Tac. Allez, je vais mettre trois. Je vais mettre trois. Oh là, ça va pas très bien marcher, je crois. Bon, bah, je vais débrancher. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Dans le jeu, en fait, il y a 30 mini-jeux. Dans l'ensemble, il y a 30 mini-jeux. On ne peut pas avoir accès aux 30 mini-jeux directement. Il faut qu'on progresse ou qu'on débloque un pour arriver au deuxième, pour arriver au troisième, etc. Alors, je vais laisser Roland répondre à cette question, ou Julien et Céline. Mais par contre, je vais reposer la question pour qu'elle soit enregistrée. Je vais vous donner le micro pour enregistrer la réponse. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut accéder au mini-jeu dans le jeu global, en dehors d'Étincelles ? Est-ce qu'on peut y accéder directement ou est-ce qu'il faut suivre tout le déroulé ? La réponse est oui. Il y a un menu secret, en fait. Il ne faut pas dire... En fait, voilà, les jeux sont intégrés dans l'histoire, dans les 12 heures de jeu à peu près, à chaque puzzle. Donc si vous faites le jeu de manière normale, vous êtes obligé de franchir les étapes une à une. Ah, pardon. Mais on a intégré donc un menu secret en fait qui s'affiche avec la touche le petit 2, la touche carré, le 2 au carré, vous savez qu'en haut à gauche du clavier. C'est une astuce que je vous donne, donc ça fait apparaître un menu qui vous avez le choix de charger plein de points de sauvegarde en fait différents, un peu pas, enfin qui jalonnent toute la durée du jeu, donc y compris la partie aventure, et y compris donc accéder directement à un puzzle. Alors les noms sont pas forcément tous très clair, mais sinon on peut aussi accéder à l'espace enseignant sur le site SEA. Il y a une rubrique prisonnier quantique où il y a un peu plus de puzzles parce qu'il y a aussi les puzzles scientifiques qui sont pas mais qui sont pas liés au programme en fait, donc qui n'ont pas été repris par réseau Canopé. Et donc là il y a des liens un petit peu comme ça en fait qui vont ouvrir directement le jeu sur un autre puzzle voilà qui serait pas sur le réseau Canopé. Voilà. Mais l'astuce, c'est ce petit menu secret. Ça permet aussi de rejouer des parties du jeu quelconque. Il y en a certains qui sont pas faciles. Alors moi, je suis prof d'agilité, je ne vais pas leur faire tous les non. jeux, même de physique. Ouais. Ouais, non, je disais les petits jeux de physique chimie, moi ça, je peux pas tous les faire avec eux parce que mes compétences sont limitées quoi en physique chimie. Donc effectivement, si je peux aller directement au jeu de SVT, c'est quand même mieux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question à propos d'Étincelles. Est-ce qu'on peut synchroniser avec les ENT Île-de-France ou pas ? Pour que tous les établissements soient connectés en synchronisé quoi avec Donc la question c'est est-ce qu'on peut synchroniser avec les ENT, et là je m'adresse à Marie-Hélène Dutheil qui est coordinatrice sur le projet Étincelles. Alors en fait Étincelles sera accessible depuis les ENT, enfin sur les ENT, donc via le GAR en fait, et ça sera accessible normalement d'ici la fin de l'année là. Ça devait être fait là en octobre. Il y a un petit peu de retard, mais donc normalement sur tous les ENT, Étincelles sera accessible, voilà, directement. Voilà.
Après, sinon, bah, c'est, vous rentrez votre adresse académique. Et puis après, la diffusion se fait via l'URL où il y a aussi des QR codes, ouais, voilà, des flash codes. Voilà. Mais en tout cas, oui, d'ici la fin de l'année, ça sera accessible sur tous les ENT via le GAR. Voilà. Donc, je pense que c'est une question qui est intéressante et tu peux répondre dans le micro. Ah. En fait, le GAR, en fait, c'est un gestionnaire en fait d'accès aux ressources qui va permettre en fait d'assurer en fait la protection de données des élèves. Et puis, ça permet effectivement donc tout ce qui va être via le GAR en fait sera donc possiblement accessible directement sur les ENT. Voilà. Là où il y a toutes les applications, voilà, bah, bientôt donc il y aura Étincelle. Voilà, c'est un peu hein, du jargon technique, mais c'est pour la protection des données des élèves. Oui, une autre question. Alors je voulais savoir s'il y a des jeux qui allient SVT et physique-chimie. Est-ce qu'il y a des parties qui allient SVT et physique-chimie dans le jeu? Bah, déjà, la transformation du vin en vinaigre, oui, on peut dire que ça allie SVT physique-chimie. Parce que dans la nature, ça se fait souvent à l'aide des micro-organismes. Donc on peut faire un lien aussi avec ce que l'on voit avec les fermentations en SVT. Ah oui, oui. Je te laisse répondre parce qu'il y a aussi tout ce qui est mix énergétique. Oui, on a des puzzles en fait sur le réchauffement climatique. Donc là, je pense que dans le jeu, c'est repérer en fait les différences, l'impact en fait du réchauffement climatique sur différents paysages. Donc il faut repérer un paysage en fait dans les années 60, regarder quelles sont les différences entre un paysage des années 60 et un paysage actuel. Donc ça, un prof peut faire le lien entre à la fois le côté environnement SVT et aussi parler de tout ce qui est physico-chimique en fait. Et puis, on a aussi un puzzle sur le mix énergétique. Donc, à voir comment... Enfin, c'est des disciplines un peu transversales. Donc, après, je pense qu'on peut voir comment, avec les profs, vous pouvez construire une séquence. Ces séquences étincelles ne sont pas encore, je crois, sur la plateforme. Mais je pense qu'il y a moyen voilà, de construire... Oui, le puzzle sur le mix énergétique, effectivement, il est exploité dans deux scénarios, un au collège et un au lycée, et ce sera en octobre sur la plateforme. Jérémy ? Non, en fait, c'était ce que j'allais dire. Voilà, donc on a le puzzle mix énergétique qui a été... donc moi, je me suis occupé de la partie cycle 4 et Geneviève de la partie terminale. Et voilà, donc c'était juste pour dire que voilà, ce puzzle se retrouvait à deux niveaux différents. Et pour le coup, comme on se connaît bien, mais on n'a pas échangé énormément sur ce puzzle-là. Donc c'est deux puzzles complètement différents, deux approches différentes pour le même puzzle. Oui. Est-ce qu'on peut accéder à vos ressources sans être ni élève ni prof? Oui, alors l'accès à la plateforme Étincelle pour des personnes qui ne seraient pas éducation nationale. On ouvre à beaucoup aussi d'adresses en fait qui sont donc ou l'université ou les CFA. Où on peut même aussi, on fait souvent aussi des exceptions. Voilà. Il faut demander, il faut rentrer à la boîte contact, en fait. Quand vous allez sur Étincelle, vous n'avez pas besoin d'être inscrite. Et vous demandez, voilà. Vous, ça serait une adresse de quel type, en fait? Oui, alors les adresses personnelles, effectivement, non, ça ne marche pas. Parce que, effectivement, c'est une plateforme là, qui est destinée aux enseignants. Et puis après, on a aussi des accords en fait, qui sont passés aussi sur certaines ressources en fait, qui sont données par les industriels. Voilà, pour l'instant, effectivement, c'est réservé à tout ce qui est adresse académique, université, CFA, voilà. Voilà, vous pouvez nous envoyer un message. Mais il faut qu'il y ait une relation, effectivement, avec l'enseignement, quoi. Au tout début, on pouvait, avec n'importe quel type d'adresse,
Mais voilà, on a été obligé de restreindre, en fait. Oui. Moi, je suis pas prendre. Soit vous tenir le micro, soit répéter votre question. Oui, voilà, c'est sur le contenu, parce que je pensais que je venais voir un jeu sur la physique quantique, le programme photovoltaïque. Il y a quelque chose sur la quantique ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la physique quantique au sein du jeu Le Prisonnier Quantique ? Le Prisonnier Quantique, c'est un jeu qui porte sur beaucoup de sciences, disciplines scientifiques différentes, mais qui n'est pas exclusivement sur physique quantique, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Mais effectivement, là, le dernier chapitre aborde la physique quantique de manière très très simplifiée, parce que c'est une discipline compliquée. Donc là, notamment, on a des interventions de Roland, et puis c'est Roland qui nous a vraiment amené la matière première scientifique pour parler d'intrication, de superposition d'états, tout ça. On a essayé de l'imager un peu, parce qu'en plus, imager, rendre visuel quelque chose qui est invisible par nature, c'était pas facile. Donc c'est là où on a beaucoup triché en termes de représentation par rapport à des réalités qui de toute façon sont même pas observables. Et donc voilà, on a gamifié un petit peu la physique quantique donc sur le dernier chapitre du jeu. Voilà. Oui. Bah non, alors moi personnellement je sais pas, mais. Je pense pas. Voilà, il y a des puzzles aussi sur l'atome, la matière en fait. Bon, on parle pas forcément des effets quantiques, mais voilà, il y a de la physique des particules aussi, voilà.